Bienvenue dans le live 2024 de la nouvelle collection Belle des Pins. On est vraiment heureux de vous avoir et cette année, on a voulu un format un petit peu plus dynamique. Alors, on vous fait visiter les locaux Belle des Pins. Ici, par exemple, c'est là où on réalise tout le temps notre e-shop, celui que vous verrez à la fin de la vidéo, il nous tarde de vous montrer. On a refait le stock de pellicules parce qu'on a vraiment des pépites à vous montrer qu'on pourra vous diffuser sur Instagram tout au long de la saison. Et puis, on a encore plein d'autres surprises, mais je ne veux pas tout vous dire. Voici Julia, que je ne bonjour, présente plus. Bonjour à tous. Notre global manager, notre petite voix derrière le SAV. Aussi. On est vraiment heureuse de l'avoir et on est vraiment heureux que vous soyez là aujourd'hui avec nous ce soir pour découvrir cette nouvelle collection. Ça fait déjà 8 ans qu'on existe. 8 belles années, oui. 8 ans qu'on rajoute des photos aux photos, des vidéos aux vidéos, des voyages aux voyages et des bikinis dans vos garde-robes. Et la nouvelle collection promet d'être canon. On a hâte de vous la montrer, mais avant ça, je vous propose de regarder un petit récap des Allez. Années passées pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Allez, venez. Allez, venez, regardez. Thank you.
met dans le mood. Hein. Oh, c'est clair. Depuis la dernière vidéo live YouTube, où on est allé en Grèce, en Islande, pour la collection Genesis, ça a cartonné. Ouais, vous êtes deux fois plus nombreuses à avoir nos maillots de bain chez vous et à les amener en voyage. Partout. On avait également sorti des robes à Noël, au moins 5 références. Ouais, donc en plus de ça, vous n'allez pas seulement à la plage, mais vous nous amenez en soirée, et ça, on en est très fiers. C'est clair. Il y avait le maillot Saint-Valentin aussi, qui s'était vendu en quelques heures. C'était totalement fou. Incroyable, vous avez fait une razzia sur le site. On était épatés, et ça a peut-être à voir avec le fait que, juste le mois dernier, on a passé sur Instagram les 100 000 followers. Merci. On en est extrêmement fiers. On vous remerciera jamais assez de votre confiance, parce que si on est là, c'est avant tout grâce à vous. Donc merci pour ça et on vous emmène tout de suite dans de nouvelles aventures. On va aller voir Vincent dans son bureau. Mais juste avant, la gagnante YouTube sera annoncée à la fin de cette vidéo. Vincent ? Tu peux nous faire une petite visite ? Vous voulez pas voir la vidéo d'abord ? Non, d'abord la petite visite de ton bureau. Non, remarque, ça va être un peu court. Ça, c'est le bureau du chef. Il est cool, hein ? Il est cool. Il est bien rangé, en plus. Là, on a le bureau de Vaya. Ah, des petites surprises à cacher, quand même, un petit peu. Des appareils à photo qui nous suivent depuis le début de Belle des Pins. C'est toujours le même. Depuis 8 belles années. Ouais, maintenant, on fait beaucoup d'argentique. Mais sinon, c'est toujours le même. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. T'avais fini de monter la vidéo pour la montrer aux filles ou pas ? Ouais, j'ai fini. Allez. Juste un instant. On veut voir ça. Allez, on est parti. I would never take you for granted. Never. Even after all these years. Even if you promised to stay by my side, no matter what. This enduring promise is just one of many we've made. Some would say, too many. And yet, when everything collapses, when I feel like I'm losing the game, when I feel that I'm losing you, I hold on to the trust that forms the foundation of our deepest bond. Trust. Trust is our guiding light through the mysteries of emotions, an unbreakable connection. A commitment that keeps us together on life's mysterious path. Custodian of my strength, the nurturer of my ambition, the guardian of my happiness. Remain bound by the everlasting promises we made to ourselves. Sympa la vidéo, hein? Ouais, ça j'adore. Fait du bien de se retrouver dans des conditions de shooting qui sont quand même appropriées par rapport à du bikini, pas comme l'Islande. Ouais. Et si vous avez suivi les paroles, la voix de Bob parle de la confiance, parce que c'est une valeur qui est ultra importante pour Belle des Pins. Alors bien entendu, il y a la confiance en son corps, en soi-même. Mais aussi la confiance en les autres. Ça reste une notion qui est ultra importante dans les valeurs de chez Belle des Pins et c'est pourquoi on a décidé de la mettre sur notre nouveau petit packaging. Et d'ailleurs, on a une petite histoire à vous raconter, c'est pour la prochaine vidéo.
Ah, ça doit être Julia qui arrive. On va aller la voir ensemble. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, nickel. C'était bien Paris? Bah ouais, hein, toujours sympa. Trop alors, chance. Écoute-moi. Dis-moi. Je suis revenue pleine d'ambition. Je veux absolument qu'on change notre pochette Belle des Pins parce que je trouve qu'elle ne ressemble absolument pas. Est-ce que tu veux parler de ça? Ah, oui, il n'y a rien de personnel, il n'y a rien qui nous identifie là-dedans, tu vois. Je suis d'accord. Est-ce que t'as des idées? Moi, je pense qu'on pourrait partir sur peut-être une pochette en satin. C'est qualitatif, c'est bonne joli. Idée. En plus, comme ça, on pourrait peut-être mettre le logo. Ouais, avec le logo et... Tu penses à d'autres choses? Je vais aller voir Vincent et je vais lui demander ce qu'il en pense. Bonne idée. Oup! Vincent, ITV. Alors, check la grosse caméra parce que j'ai une petite question. Avec Julia, on aimerait réinventer un petit peu les pochettes Belle des Pins. D'accord. On a pensé à les faire en soie et rajouter le logo. Mm-hmm. Puis, pourquoi pas une petite phrase qui définirait un peu Belle des Pins. Et à ce moment-là, je bloque un peu. Est-ce que t'as des idées? Bah, faudrait parler des valeurs. Mais lesquelles? Alors, déjà, on n'a pas de thème de collection pour la prochaine co. Donc ça peut être intéressant pour peut-être combiner les deux. Mm-hmm. Et ensuite, moi, il y a un truc qui m'aurait toujours botté de faire, mais j'ai pas le temps. C'est d'interviewer quelques clientes et de voir un petit peu ce qui se dégage. Bonne idée. J'y vais de ce pas. On se demandait, pour toi, c'est quoi les valeurs de notre marque? Alors, pour moi, les valeurs de notre marque, c'est tout ce qui est autour de la confiance en soi, mais aussi s'épanouir. C'est aussi pour moi une bonne chose que la marque soit française. En fait, je trouve que Belle des Pins, vous mettez un peu la défiance sur le corps des femmes, le fait qu'on veut toujours un peu nous cacher ou nous dire que c'est pas bien de montrer son corps, etc., alors qu'on est clairement magnifique. Et moi, j'ai grandi avec Véronique et Davina, tu vois. Et les cours de fitness qu'elles faisaient, elles étaient en string. Le générique de fin, c'est qu'elles se prenaient une douche et elles étaient seins nus devant des millions de téléspectateurs. Moi, j'ai grandi avec ça, si tu veux. Alors, genre ce que je disais tout à l'heure, audacieux et chancré, et on s'en fiche. On a envie de pas avoir de traces de bronzage, on a envie d'être à l'aise. La question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que t'as toujours eu confiance en toi? Est-ce que la confiance que tu émanes là, quand tu viens nous voir avec le maillot de bain, que t'as jamais vu, t'as jamais essayé, tu sors des toilettes et là t'es toute pimpante, est-ce que t'as toujours eu cette confiance? Alors non, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Et en général, j'ai eu beaucoup de mal à m'accepter parce que je me suis toujours comparée aux autres sur les réseaux sociaux, etc. Je mettais pas du tout de maillot échancré. Carrément, j'allais à la plage en short parce que je détestais mon corps. J'avais peur d'assumer le regard des autres. Porte des maillots pour toi. Ouais. Tu portes des maillots pour te faire plaisir. Mmh. Que tu portes une pièce en mode mamie ou que tu portes un deux pièces super sexy, il y aura toujours des regards. Donc autant faire ce que tu as envie déjà. Non, ça taille bien. Mmh. Et même si c'est peut-être pas le cas, dans tous les cas, c'est une question de ressenti. Et de se dire, bah en fait, si je peux mettre ça, même si quelqu'un pourrait se dire que ça me va pas, bah pour moi, ça me va. Et c'est ça. C'est ça. Le bas, j'adore. C'est du M, ça va un peu grand, mais ça sera plus dans le dos. Ouais, okay. Ça sera plus ultra sexy. Ok. Là, je pense que ça va cartonner. Ah, c'est pour ça. T'as le double là, c'est plus ouais. Vraiment, c'est trop beau. Bravo. En fait, c'est tellement bien équilibré. Ouais, je trouve ça trop beau. Il y a un bon équilibre entre le haut et le bas, comme ça. C'est trop kiffant. Je prends les maillots, ouais, mais franchement, il est trop. Et l'arrière, t'as tout, bravo. Ouais. Ouais, je suis canon. Non, j'adore. Ouais, non, il est trop. Il me crie un peu Vaya, ce haut. Ah ouais? Toi, ouais. Genre, je te vois vraiment avec ces maillots-là. Quand je vois Belle des Pins, c'est vraiment ça. Genre. En parlant à nos clientes, j'ai vraiment été inspirée par leur audace et leur confiance en elles lorsqu'elles enfilaient les maillots. C'est vraiment un axe qui m'intéressait et ça faisait un moment que j'étais sur Paris, mais là direction Bordeaux. J'ai une proposition à faire à Vincent. Coucou. Coucou. Ça va? Et toi, c'était bien Paris? Sympa. Écoute, j'étais en train et je pensais à un truc. Est-ce qu'on a un thème pour cette collection? Non, on n'a pas encore de thème. Qu'est-ce que tu penses de la confiance? Franchement, c'est chouette. Tu devrais poser des questions à l'équipe. Vas-y, je m'en occupe. La confiance, avant tout, pour moi, c'est la confiance en soi. Pour ça, c'est la base. Et porter des maillots de bain échancrés, c'est un peu montrer au monde que l'on croit en soi-même,
se faire la promesse de libérer sa féminité. C'est vrai qu'en tant que modèle, la confiance en soi est hyper importante, malgré le fait qu'on doit faire face au jugement des autres personnes. On a souvent droit à des « Oh, t'as pris un kilo par-ci » ou bien « Oh, cette fois-ci, t'as perdu un peu de poids, tu devrais faire attention. » Mais je pense que c'est pas le plus important. Malgré ça, je pense que le plus important, c'est d'avoir confiance en soi pour pouvoir avancer dans son travail et produire du travail de qualité. Après, la confiance, c'est pas que ça. Il peut y avoir la confiance en une personne, son mari, ses enfants, ses amis, et aussi la confiance dans un groupe pour avoir une même vision. Oui, c'est exactement ça. En fait, la confiance envers les autres, c'est vraiment clé. On est un animal qui est social et on a besoin de construire des relations qui sont basées sur quelque chose de solide, et ça, pour moi, c'est vraiment la confiance. Et c'est complètement transposable à Belle des Pins. Avec Belle des Pins, on est un groupe de personnes avec des univers qui sont complètement différents à la base. Des façons de gérer un petit peu l'humain très différentes, mais on a notre confiance qui va nous permettre en fait d'avancer vers la même vision. Moins de tissu, plus de confiance. Oui, au final, c'est l'essence même de qui nous sommes. En vérité, je crois que mon désir de redéfinir notre packaging était une excuse. Une excuse pour vous rencontrer, pour dialoguer avec vous, pour vous comprendre. Pour renforcer ce lien de confiance si précieux qui unit Belle des Pins à sa communauté. C'est le cœur même de tout ce que nous sommes. Là, vous avez pu découvrir comment on a conçu cette nouvelle petite phrase avec les nouveaux packaging Belle des Pins. Normalement, une partie d'entre vous a pu la découvrir avec la collection Genesis, mais maintenant, pour cette nouvelle collection d'été, vous allez pouvoir redécouvrir ces packagings-là. Je suis ravie, je suis contente, j'ai trop hâte que vous puissiez découvrir tout ça. Et je pense que là, vous patientez depuis assez longtemps durant ce live, donc vous allez enfin pouvoir voir les nouveaux maillots de bain dans la vidéo qui va suivre. Et nous, on se retrouve juste après avec Manon pour discuter de cette nouvelle collection. Pour cette 8e collection de maillots de bain sur le thème de la confiance, nous voulions tout d'abord vous écouter et renouveler vos maillots coup de cœur qui deviennent maintenant de vrais classiques. Vous retrouverez donc sur cette collection le Sambro, le Closa et le Wangi. Vous retrouverez aussi le Tropicalis Bas pour celles qui désirent un maillot brésilien ajustable et le Mugo que l'on recommande à toutes celles qui ont besoin de maintien tout en restant féminines et sexy. Vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est la première fois que nous dessinons nous-mêmes les accessoires en acier inoxydable. Un rectangle irrégulier avec un effet martelé qui vient parfaire la majorité des maillots de la collection. Mais nous ne voulions pas nous arrêter là, vraiment pas. Nous avons décidé d'ajouter à nos intemporels trois nouveaux styles. Le Laricio est un maillot de bain qui se veut plus avant-gardiste en mélangeant à la fois des accessoires en acier inoxydable de couleur or et un effet double maillot pour une coupe moderne. Un bikini dessiné pour les accros à la mode. Le Caribea, quant à lui, est notre maillot le plus sexy de la collection. Il saura vous mettre en valeur, quelle que soit votre morphologie et votre poitrine. Avec cette version du Caribea, vous ne passerez plus inaperçu. Pour finir, l'Arista asymétrique est un maillot qui se veut diaboliquement chic. Il est asymétrique en haut et en bas, et on y retrouve l'accessoire en acier inoxydable. C'est le maillot parfait pour se la péter au beach party. Cette année, nous utilisons toujours notre tissu préféré italien et brillant en 5 coloris différents. Bleu El Nido, rouge Pula, vert Zion, marron Zion, noir carbone. Des coloris intemporels qui iront à toutes les couleurs de peau tout en étant très estivaux. Vous l'avez compris, pour cette collection, nous voulions des maillots à la hauteur de la confiance que vous nous portez en priorisant l'innovation, les coloris intemporels et la qualité de nos coupes. We'll be right back.
Bah écoute, waouh Vincent. Incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette vidéo? Dinguerie. Franchement, trop trop beau. J'aime trop. Les nouveautés et tout, franchement, j'adore. Alors, on t'a passé un premier maillot de bain. Dis-nous ce que t'en penses. Alors, celui-là, c'est le modèle Sambro. C'est ça. L'original de Belle des Pins, le plus vendu. En couleur rhum. Alors, franchement, il est incroyable avec le petit détail là. Franchement, j'aime trop trop trop. Donc voilà, ça c'est un de nos best-sellers, vous le connaissez, on va plus vous le présenter. Tout comme d'ailleurs le Closa, qui reviennent cette année exactement comme l'année dernière avec la petite Pampi, parce qu'on sait à quel point vous y tenez. Et donc ça va être vraiment les maillots de bain qu'on ne se lasse plus en fait. On en a tous besoin d'un, mais quand même, on ne s'est pas arrêté là cette année, on a décidé de vous proposer des nouveautés. Donc là, c'est le modèle Laricio, c'est un maillot de bain qui est en fait doublé. À l'avant comme à l'arrière et en bleu, franchement incroyable. J'aime les trop, pampis, trop, trop. Je les trouve vraiment incroyables. Mais on s'est toujours pas arrêté là, moi je vous dis. Cette année, on était à fond et on a plein de nouveautés, dont ce Caribaya. Alors normalement, vous avez déjà entendu parler de ce nom, de maillot de bain chez Belle des Pins. Sauf que cette année, il est entièrement revisité. Il va un peu ressembler au Closa, mais détrompez-vous, ça n'a strictement rien à voir. Vraiment, c'est mon chouchou celui-là. Je l'adore. Pareil dans les nouveautés, on a décidé de se diriger vers quelque chose que vous aviez déjà vu cet hiver. On s'est beaucoup inspiré du une pièce de Genesis pour créer ce deux pièces qui est juste splendide dans la couleur que tu préfères beaucoup, en plus. Hein. Franchement, en brun comme ça, incroyable. Franchement, je le trouve magnifique celui-là. Je suis très très fière. Et pour finir, on revient un peu à nos basiques chez Belle des Pins. On ne vous a pas oublié celles qui décident de rentrer dans la BDB Family et qui décident de prendre leur temps. On a évidemment repris le Wangi avec le haut Mugo qui celui-ci va être parfait pour les grosses poitrines, pour maintenir correctement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les nouveaux maillots, des anciens aussi. Et je suis ravie de pouvoir vous annoncer qu'on va pouvoir lancer cette collection. Ah, j'ai trop hâte. Alors, je vous pose là. On se met tous ensemble avec l'équipe. Et on va pouvoir trinquer à cette nouvelle collection. Tiens, n'oubliez pas que merci. Le nom de la gagnante sera affiché sur l'écran, celle qui aura du coup gagné le concours de YouTube et nous, on peut passer au compte à rebours. Allez, c'est le moment d'y aller. On y va, on va lancer le site. Yes. 3, 2, 1, go!